Y est pas tout le monde. Bienvenue dans la catégorie je vis, je me développe personnellement, je m'améliore. Comment? Grâce aux sciences neuro, cognitives. Et pourquoi? Bah pour prendre conscience en fait de mon moi, de votre soi, de votre non-soi, de votre conscient, de votre inconscient et de l'importance de votre système émotionnel et de votre cognitif en fait, votre vous intérieur. Voilà. Et pourquoi nous ressentons le besoin de nous améliorer? Moi, je dirais que la curiosité, c'est déjà quelque chose, un adjectif qualificatif qui qualifie en fait toute la dimension de notre intelligence humaine. Notre curiosité alimente notre intelligence humaine. Et en ce sens, en fait, on a très fréquemment en fait le besoin de s'améliorer. Voilà, pour apprendre, comprendre, je dirais même maintenant une notion nouvelle qui vise à désapprendre pour mieux réapprendre. Pourquoi? Parce qu'on est dans un contexte de transformation qui est systémique, global, et qu'on a besoin de s'adapter. S'adapter pourquoi? Bah, potentiellement dans un contexte de crise, on va dire économique, les conditions de vie se durcissent, donc on a tous pour vocation d'améliorer un peu notre quotidien. Donc pour ça, voilà, on peut tendre à actionner les leviers visant l'amélioration, qu'on appelle l'amélioration continue, un peu comme on le fait dans un système de gestion qualité avec cette fameuse roue de Deming. Cette roue de Deming, en fait, c'est une roue qui roule en fait sur un plan incliné. Ce plan incliné, donc vous devez faire monter cette roue, et pour faire monter cette roue, ben, il faut fournir des efforts. Donc c'est l'amélioration continue, c'est-à-dire on met en place des plans d'action, on regarde si nos plans d'action mettent plutôt en évidence des risques, des opportunités, comment est-ce que je transforme mes risques en opportunités et comment est-ce que je m'améliore. Et si on arrive à s'améliorer avec un bénéfice, on va dire communautaire et de la société, je dirais que c'est top, parce que dans cette fonction d'amélioration, du coup, le bénéfice, il est vraiment commun, et voilà, pour le bénéfice de tout le monde. Donc, moi, je dirais que ça, c'est une option de mieux vivre. Donc, on va, pour nous, en fait, la perception de l'amélioration continue, elle est très subjective. Par exemple, ma vision n'est applicable qu'à moi. Et il faudra que chacun, en fait, prenne du recul sur lui-même pour identifier quels sont les leviers de son amélioration continue. Voilà, parce que personnellement, les leviers que va utiliser IEPA ne sont peut-être pas les leviers que vous allez utiliser. Donc voilà, vous allez évoluer dans un... On va dire autour d'un environnement direct, donc un micro-environnement, et autour de ce micro-environnement, vous allez évoluer dans un macro-environnement. Et c'est justement, en fait, cette relation que vous avez dans le macro-environnement, c'est cette dimension de votre macro-environnement qui va faire votre personnalité et qui va conditionner la mise en place de vos objectifs. Voilà, par exemple, si vous êtes quelqu'un de globe-trotteur, vous allez avoir une curiosité qui fait que vous allez avoir une comparaison sociale, vous allez vous attacher aux valeurs de la comparaison sociale, vous allez peut-être vous attacher aux valeurs des inégalités sociales, etc., etc. Après, si vous avez une vision et une nature de preneur de risque, et que vous avez une perception un peu business, et ben dans l'amélioration continue que vous allez mettre en place, vous allez plutôt avoir une vision peut-être business. Après, si vous êtes quelqu'un qui apprécie la simplicité, ben dans l'amélioration continue, vous allez tout simplement viser une amélioration continue pour juste améliorer votre quotidien. Voilà. Tout simplement, on a tous des améliorations continues, des objectifs d'amélioration continue qui soient complètement différents. Et je pense que c'est le propre de la nature humaine de vouloir s'améliorer. Alors, avant, pour mettre en place en fait l'amélioration continue de l'homme en lui-même, de l'humain, je dirais. Donc l'humain, en fait, c'est un individu qui, à mon sens, n'est pas parfait. Je le prends également pour moi. Je suis loin d'être parfaite, j'ai beaucoup d'imperfections, mais j'essaie de mieux me comprendre pour mieux m'améliorer, justement. Pourquoi? Ben pour être intégré aussi à une société. Voilà, faire les choses en fonction des avis également des autres. Donc voilà pourquoi je ressens potentiellement le besoin de m'améliorer. Tout simplement, mieux vivre avec les autres et puis essayer de... d'intégrer tous les besoins de chacun. Donc voilà, moi je dirais que la notion de s'améliorer, c'est le propre
de l'homme, mais que dans les chemins que nous allons utiliser pour nous améliorer, ils ne vont pas être les mêmes. Même si parfois des gens ont les mêmes objectifs, ils n'emprunteront pas les mêmes chemins pour y arriver. Pourquoi ? Parce que justement, peut-être que pour eux, un chemin va être risqué, alors que pour d'autres, le chemin va être une réelle opportunité. Donc, il n'y a personne d'autre que vous pour essayer de comprendre quel axe d'amélioration il convient de mettre en place dans votre vie. Et il convient d'identifier les objectifs. Voilà. Quels sont vos objectifs qui, à votre sens, vous permettent de vous améliorer ? C'est très, très subjectif. Et comme je suis une grande papote et que je vais dans tous les sens, je m'en excuse, mais tout à l'heure, ce que je voulais dire, c'est que, alors désolé, mes casses sont réalisées en direct, hein. Je fais mille et une choses en même temps, c'est pas bien, je vous l'accorde, mais au jour d'aujourd'hui, en fait, on se rend compte d'une chose, c'est que l'amélioration continue de l'humain est arrivée quasi, en fait, à saturation. On est au maximum. On a essayé d'optimiser le lien entre l'esprit et le corps. On a essayé de faire du développement personnel. On a essayé d'utiliser les outils d'intelligence émotionnelle qu'on a essayé de retransposer en termes de management d'entreprise pour accompagner à la transformation, etc., etc. Mais il y a quelque chose qui apparaît aujourd'hui, c'est qu'en fait, on a pris conscience que l'individu humain était perfectible, certes, n'était pas parfait. Donc en fait, on est en train de le remplacer par de l'innovation, du digital, du numérique, de la robotisation, des assistants virtuels, etc., etc. Et il ne faut pas s'alarmer face, selon moi, à cette innovation qui est en train d'émerger. Pourquoi ? Parce qu'en fait, pour moi, cette intelligence artificielle a lieu de venir vous soulager. Voilà, elle vient compléter, je dirais, les imperfections de l'humain. Pourquoi ? Bah, pour lui permettre d'améliorer, à mon sens, son niveau de vie. Donc voilà, donc l'amélioration continue de l'humain, oui, la remise en question est importante. Et je pense que c'est quelque chose qui nous fait progresser. Et voilà, restez humble, restez simple, même si c'est un exercice très difficile, je suis pas parfaite non plus de ce côté-là, mais j'essaie de m'améliorer. Mais voilà, prendre du recul sur votre position d'humain et puis prendre conscience que si vous êtes vraiment dans une difficulté et que vous n'arrivez pas à améliorer vos conditions de vie, dites-vous que bah, y a des entrepreneurs ou il y a d'autres créateurs et porteurs de projets qui le font à votre place et ils pensent à votre place pour vous permettre d'améliorer votre quotidien grâce à l'innovation. Dans d'autres présentations, je vous sensibilise également sur le risque autour de toutes ces solutions et produits innovants. Parce que toutes ces vagues d'innovation arrivent très très vite et parfois elles arrivent un peu, je dirais, hors cadre réglementaire. Donc il faut faire attention à vous, votre position de particulier et votre position de consommateur. Voilà. Donc voilà comment moi je procède, mais mon retour d'expérience est subjectif. Voilà, n'hésitez pas à nous faire part de vos propres retours d'expérience sur comment vous voyez l'amélioration continue et quels objectifs vous personnellement, en fait potentiellement, vous visez par cette amélioration. Voilà, et à quel besoin vous répondez. Est-ce que c'est plus un besoin personnel ou alors plutôt un besoin, on va dire, social, collaboratif et autres. Allez, je vous dis à bientôt, y est pas, en espérant que ce sujet vous aura intéressé et n'hésitez pas à vous abonner et voire même à diffuser à potentiellement vos amis qui pourraient trouver le besoin d'écouter un peu, voilà, ou d'aiguiser sa curiosité à travers les castes de y est pas. Je vous dis à bientôt, bye bye, prenez soin de vous, surtout, je vous adore, ciao. Oh.